Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oula, oui, oulala. On m'entend bien, effectivement. Alors, aujourd'hui, petite séquence Fortnite. Aujourd'hui, oui, d'ailleurs, aujourd'hui. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le titre. Je vais mettre. Tac-tac. Non, je vais mettre ça. Alors, tac, vais faire ça. Hop, ta, catégorie, tac tac tac, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Rediffusion, informez vos spectateurs sera préenregistré. Mettre ça. Nickel. Bon, je vais essayer de parager sur Fortnite. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je l'ai bien écrit, Rager? Tac tac. Ouais, c'est J.E.R. Ok, nickel. Alors, aujourd'hui. Déjà 4 minutes, ouais, j'ai relancé le jeu parce que vous avez pas le son du jeu. Il y a un petit bug de son de jeu, ça arrive des fois. Alors, oh putain, tac. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? On va faire des lives de temps en temps jusqu'à vendredi. Et la semaine prochaine, parce que je tiens à vous préciser quand même que je suis en vacances, moi. L'avantage de la première zone, c'est que après on a des jours fériés, alors que la dernière zone, en fait, leurs vacances tombent les jours fériés. C'est du coup, bah, en fait, ils bouffent quasiment la plupart de leurs jours fériés. Donc il y a de quoi être deg. Il y a de quoi être deg. Du coup, j'ai la chance, moi, de profiter de mes jours fériés alors que j'ai cours. Et en plus de ça, je suis en vacances plutôt que prévu. Alors, attends, tac, 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 calendrier, 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 calendrier. Je vais faire. Ah bah, t'es gentil. T'es gentil. T'es gentil, t'es minière. Wesh. C'est ce que je vais faire. Alors, on a très peu de jours de cours, enfin surtout moi. C'est-à-dire que là, on arrive en avril, donc je reprends les cours moi le 24, le 24 avril, donc on est le 11. Autrement, comment vous dire que j'ai large encore. Ça va, les vacances n'ont pas l'air de passer trop vite, ça passe. Ensuite, bon, on a la semaine d'avril à peu près normale, sauf que 1er mai, c'est férié, parce que c'est la fête du travail. Donc 1er mai, lundi 1er mai, fête du travail, donc week-end de 3 jours.
juste après ma semaine de vacances, donc week-end de 3 jours. Ensuite, on a lundi où on n'a pas cours. Donc, c'est la plupart d'entre vous, hein, notamment. Ensuite, on a cours le 2, 3, 4, 5. Donc, du mardi au vendredi. Donc, déjà, ça on zappe quand même un jour dans la semaine. Donc, c'est pas mal. Ensuite, rebelote, 3 jours de week-end. Donc, le 8 mai. Donc, le 8 mai, la victoire de 1945. Donc, voilà. Ensuite, bah, rebelote encore, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 4 jours de cours, donc c'est voilà, un week-end de 3 jours encore et encore. Ensuite, donc samedi, dimanche, on n'a que 2 jours par contre là, sauf que, oui, hein, sauf que bien évidemment, le 15, 16, 17, donc on a cours lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, il n'y a pas cours, c'est l'ascension, du coup, vu que c'est l'ascension, le jeudi, j'ai pas cours, le vendredi, du coup, j'ai un week-end de 4 jours. Sauf que le 22, je ne suis pas là. Je vais voir un concert. Donc j'ai un week-end de 5 jours. Ensuite, 23, 24, 25, 26. Pour ma part, hein, j'ai cours. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout ça reste bien évidemment à confirmer. Ok, je vais peut-être récapituler quelque chose juste avant. excellent. Ok, donc tac 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 tac. Et ensuite, le 29 mai, c'est la Pentecôte, lundi de Pentecôte. Donc, on n'a pas cours. Et ensuite, tout le mois de juin, je suis en stage. Voilà. 21 juin, fait de la musique. Ouais, bon, ça, j'ai cours. Enfin, j'ai stage. Et petite récap, le 16 ou 17, je sais plus, je crois que c'est le 16, je vais pas en cours parce que j'ai des papiers à faire pour aller au state, donc cet été. Et du coup, je pense que j'irai pas de la semaine parce que franchement, vous savez ou pas, hein, je suis à l'internat et faire 200 km. Le lundi, ensuite revenir le lundi pour faire ma journée où j'ai pas cours pour mes papiers, tout ça, repartir pour le mercredi et re-revenir parce que jeudi il n'y a pas cours et vendredi non plus. Honnêtement, je pense que ça sert à rien. Donc, du 15 au 21, je suis en semaine de vacances en gros, on va dire ça comme ça, même du 15 au 22. Donc, en gros, j'ai 2 semaines de cours à peine. Alors, attendez, je vais calculer les jours où j'ai cours. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il me reste 19 jours de cours. Encore, dans l'année, au total. Il reste rien, hein. Il reste 2 semaines pour moi, hein. Sachant que bon, je suis en stage juste après, tout le mois de juin. Donc il me reste 19 jours de cours. Un peu plus de 2 semaines. Bon, bien évidemment, je n'ai pas compté le week-end. Mais voilà. Non, ouais. Donc franchement, ça va te faire pousser le sourire. Honnêtement. Et là, franchement, tu peux être calme. Hein. Là, tu peux... Waouh, il y a de quoi être calme. Ah ouais, je vous jure. Il y a trop de quoi être calme. Par contre, il faut que je me dépêche, mais vraiment, parce que l'année prochaine, je fais de l'alternance. J'ai toujours pas trouvé, j'ai toujours pas cherché de patron, je veux dire. Donc, il faut que je me grouille le cul. Alors, je pense que ça va être pas très compliqué non plus, parce que dans ce que je fais, c'est très recherché. J'ai juste envoyé des lettres de motivation et des lettres de motivation et des CV à toutes les entreprises par mail et j'essaye d'avoir une réponse. Ensuite, si j'ai une réponse dans une entreprise, je les appelle, je demande un rendez-vous et là je me cale le rendez-vous et puis après bah il y a la suite quoi. Et après bah là t'es bien. Mais c'est à faire et c'est vrai que ça se fait pas au dernier moment. Donc il faut que je me dépêche. Donc notamment je vais peut-être prendre ces vacances-là pour envoyer un peu partout et après bah là on est posé et puis on va se faire 800 balles par mois, c'est carré.
On va faire des économies. J'ai calculé, je vais être à 7000 euros si j'étais, j'économise. Autrement dit, tu commences bien ta vie. Notamment que, bon, franchement, après, c'est pour faire des. Enfin, tu commences bien ta vie. Pas vraiment, parce que, bon, tu t'achètes ta première voiture, tu. Permis, bon, permis, on me le paye, donc ça va. Actuellement, on me le finance, hein. Et y aura juste la voiture. Je pense que je vais pas tout payer pour la voiture. Mais bon, j'ai pas envie de faire un prêt et puis un prêt étudiant pour y rembourser. Hein. Non, merci. Ça fout suffisamment d'étudiants en galère, hein, les prêts étudiants. Parce qu'après, tu dois rembourser. T'as pas forcément un travail encore tout à fait stable. Voilà, quoi. Et puis, je pense que quand tu commences ta vie, t'as pas. Tu dois pas. L'idéal, c'est pas de s'endetter, quoi. L'idéal, c'est. Voilà. Donc, autrement dire, l'année est finie. Ça fait bizarre. Hein. À quelque chose près, parce que bien évidemment, j'ai mes stages. J'ai mes stages, c'est pas des vacances. Hein. Mais bon, ça change quand même des cours. Hein. Tous les jours, tu vois pas la même chose. Tu vois pas la même gueule. Et puis, c'est moins strict quand même le travail. Le monde du travail, le stage, c'est moins. C'est moins, t'es moins dicté. Bon, bien évidemment, faut que tu arrives à l'heure. Il y a un minimum de trucs quand même hein, à faire. Mais un stage, surtout s'il y a de la pratique, c'est le monde du travail. C'est un avant-goût en fait. C'est. Voilà. Et puis logiquement, hein, si tu veux avoir un bon rapport de stage, je sais pas quoi, il te faut un minimum de compétences, il te faut un minimum de choses que tu as fait. Donc tu ne fais pas rien en stage. Faut pas se faire exploiter non plus, hein. C'est pas ce que je dis. Mais il y a un minimum, il y a un minimum et ça, c'est une fatigue en plus. Hein. Le stage, c'est pas de tout repos non plus. Mais ça change des cours, on va pas se mentir. Vous-même, vous savez que les stages, c'est chiant parfois. Si vous avez eu des stages, je ne sais pas, peut-être que non. J'espère quand même. Enfin, après, je parle des personnes, ça se trouve qu'ils sont. En quatrième, tout ça, ils n'ont pas encore forcément eu de stage. Enfin, de vrais stages. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que. Je sais, c'est que. J'ai mes stages pour cette année. L'année prochaine, je vais pas me casser le cul à trouver un stage. Parce que bah, je suis en alternance. Et que bah, l'alternance, bah, ça te fait tout l'année si tout se passe bien. Voilà. Ton rapport de stage, t'as de quoi écrire, quoi. Parce que bon, t'es là-bas quasiment les. Bah, t'es là les trois quarts du temps de l'année là-bas, hein, en travail. MDR, on le voit par la fenêtre, quoi. Bon réflexe. Il est haut, lui. Ah, il veut ma bite, lui, hein. Ah, je te jure.
Enfin, frère, au bout d'un moment, je sais pas. Le mec, il joue avec les nerfs, c'est pas possible. Ok, bon. Passons. Je sais même plus ce que je disais, mais en tout cas, bon, vous m'avez compris par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de trucs, mais... d'ici quelques mois, je vais avoir une bête de compète. Je parle pas d'une femme, la pauvre. Je parle bien évidemment d'un PC portable que vous n'avez jamais vu, que j'ai et que je vais commander très prochainement. Bien évidemment, hein, c'est pour mes anniversaires spéciaux, hein, parce que c'est donc pour octobre. Je vais choper un petit ordinateur, hein, somme toute assez basique, avec un processeur Intel Core i9 et une carte graphique 3060 Ti, en RTX 3060 Ti. Je pense que voilà, je vais dénicher un beau truc. C'est une bête qui coûte 1 400 €. Mais voilà. Et en portable, parce que je me déplace quand même pas mal. Et c'est vrai que tour, tu vas pas la foutre dans une valise. Hein. Voilà. Donc, ouh, caché toi. Et voilà. Putain, c'est bon, je débloque des défis là, tout le temps. Parce que là, je suis même plus en XP surchargé. Laisse tomber, comment ça met du temps à monter. Tu gagnes 1000 XP par partie, c'est affreux. Alors par contre on va changer cette musique directement parce que ça je peux pas supporter ça, hein. C'est vraiment pas français si vous voyez ce que je veux dire. Et, bon après le rap hein, c'est pareil hein. Mais bon alors il y a tellement ces fils de pute, ils sont chelous. Des fois, rien que d'ouvrir, de pas casser, mais juste d'ouvrir la boîte, en fait, ça se fait des défis. Par exemple, ouvrir tant de boîtes, tout ça. Et... ouais, c'est pas grave. Bon, regarde quelques-uns. Je vais pas tenter. Là, ça se trouve que j'ai évité une mort. C'est même sûr, je crois. Là, je cache ça, mais je casse ça, mais ça sert à rien, mais ça fait XP. J'ai plus d'XP surchargé avant. Je me rappelle, j'avais de l'XP surchargé jusqu'au niveau 100, je crois. J'avais de l'XP surchargé, c'était abusé. Mais là, j'ai nada, quoi. Là, je suis au niveau 50, yes! On vient de passer le niveau 50. Parce qu'en fait, là, c'est des défis tout cons que tu débloques, en fait, avec le temps, sans t'en rendre compte, en fait, que je débloque. Puis tous les jours, il y a des nouveaux défis quotidiens, mais une fois que... À la fin de la journée, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Bon, après, je les ai pas tous faits, les défis. Hein. Parce qu'il y a des défis où c'est chiant, quoi. Puis ça te rapporte que dalle en XP. Mais vraiment, personne, en fait. J'ai la ville à moi. Je pourrais capturer le drapeau, carrément. En plus, on est où là? Ouais, je pourrais carrément capturer le drapeau. Ils sont en train de tirer. Hein. Ça veut vraiment que j'y aille. Hein. C'est un mauvais signe. Ça. Putain, ça bug. Wesh! J'arrive plus à avancer. What? C'est quoi ça? C'est même pas un bug de co. T'es mal ping. Il va me faire chier. Oui, attends. Oh, elle fait mal.
La douleur qu'elle fait, cette arme. Wouah, au corps à corps. En fait, c'est n'importe quoi ce jeu. Le pompe, il fait 10 fois moins de... Il fait rien en dégâts, en fait. Un pompe, ça sert à rien dans Fortnite, en fait. Je comprends pourquoi tout le monde prend une PM. Par contre, là, on va faire gaffe parce qu'il y a un fils de pute qui est là, je crois. Je fais gaffe, hein. Ok, bah c'était eux. Voilà, bu par contre. En fait, j'ai amélioré des trucs, mais je vois aucune différence. Tu vois, par contre, activité renfort, ça c'est pas mal. Hop là, un petit 20 000 encore. Fait pas de mal. Ah, il a même pas été affiché son machin, ok. En fait, faut que j'arrête de jouer pendant une semaine et que je me mette à jouer. Comme ça, je serai en XP surchargé. Mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai eu XP surchargé jusqu'au niveau 100 parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas joué et que j'arrivais sûrement en fin de saison. C'était ça, je crois d'ailleurs. Sauf que bon, là, je sais pas comment vous dire, mais cette saison, elle va durer jusqu'au mois de juin. Elle dure 4 mois. Oui, elle dure 4 mois, oui. Donc, c'est. Je sais pas comment vous dire, mais. T'as le temps de monter au niveau 100. Hein. Faut savoir quand même que mon objectif là c'est d'arriver au niveau 150. Je l'ai fait les saisons précédentes, je l'ai fait même très en retard. Donc je verrai pas pourquoi je ne pourrais pas le faire là alors que je suis en avance de fou. Donc voilà. Et puis bien évidemment, je vais pas passer mes V-Bucks pour acheter des paliers. Hein. Là j'ai déjà acheté 1000 V-Bucks parce que là je suis à 3... bon, vous voyez pas, mais je suis à 300. J'étais à 1100, hein, je voulais avoir le pass gratuit prochainement. J'ai calculé. Normalement, j'arriverai à 1000 V-Bucks si j'atteins le niveau 100. Je pense que je vais l'atteindre. Hein, c'est pas une complication. Mais voilà. Mais je voudrais bien aussi débloquer quelques niveaux bonus. Je suis déjà à 300 V-Bucks. Reste 21 personnes là-dedans. Ouais. C'est un nombre à peu près normal. C'est pareil ça, putain, il est où le coffre? C'est même pas un coffre encore. Ah ouais, c'est ça, putain. Ça, il le comptabilise comme un coffre, ça c'est chiant. Fait partie quand même des seules villes là où on est dans... Je vais avoir spawn ici, je vais mourir ici. On a dit qu'on rageait pas, donc si on se fait tuer, on respire. C'est peut-être temps de dire une vérité. Et on respire. Ah putain, j'en bave. Ah, vous aurez vu les gars. Se planquer, se planquer à moi. Alors ouais, il y a aussi un petit détail que j'ai envie de vous dire, parce que là je parle, mais Xbox hybride mais les débits à mort. Je fais un speed test, je peux pas vous montrer comme ça. Mais quand je fais un speed test, en fait, je monte à des 800 mégabits tout ça, et à la fin du speed test, paf, je redescends mais à 300 mégas. Et en fait, je regarde sur les forums tout ça. Et en fait, ça, c'est dû en fait, au serveur en fait, de Microsoft qui bride effectivement les débits. Et c'est con, mais con. C'est-à-dire qu'en fait, je profite même pas de ma connexion maximum. En fait, quand je télécharge, je suis à 500 mégabits, alors que normalement, je suis censé être à 1 gigabit. Et donc, en gros, c'est-à-dire que je télécharge un GTA en... Enfin, j'étais donc 90 gigas à peu près en 15 minutes, mais je pourrais le faire à deux, encore deux fois moins, encore en deux fois moins de temps encore. Et Xbox, il bride ça. C'est trop chiant. Un coup, j'ai des débits à 700, un coup, je descends à 400, 300. Des fois, j'ai même plus de débits. Des fois, ça s'arrête et après, hop, ça reprend. Et c'est trop chiant. Et ça, c'est dû à Xbox qui bride les débits en fait. Donc c'est pas dû à la connexion, c'est dû à Xbox en fait, enfin
aux serveurs Microsoft qui brident leur débit. C'est vraiment des enfoirés quand même. Vraiment. T'as des débits de fou et hop, t'arrives à la fin du speed test, en fait, le débit il s'adapte. Il fait, non, toi tu prends pas ça. Du coup, en fait, c'est-à-dire que quand t'es en live, quand t'es je sais pas quoi, et bah t'as des espèces de pixelisation comme vous voyez des fois actuellement là, si vous regardez sur un écran de PC. Et ça, c'est dû justement au débit qui bride, en fait. Et c'est vraiment con. Et il faudrait vraiment qu'ils changent ça. Alors, je sais que c'est peut-être pour pas surcharger les serveurs. Mais frère, t'as vu les serveurs PC? Ça a jamais été surchargé. Et pourtant, il y a 10 millions de personnes qui live tous les jours, quoi. Non, mais je veux dire. On va rester là, en fait, dans cette ville, quoi. Mec, je crois que la ville, on leur a poncé à la mort. Je retourne sur mes pas pour vous dire. Oh. Ouais, mais non, putain, la PM elle est incroyable. Suis obligé. Je suis obligé parce que la PM elle sauve des vies. Je vais encore crever après. Mais par contre, ça c'est incroyable ça. Ça c'est un truc de génie ça. Plus ça va, plus ça avance. Maintenant ça va, faut que la vie d'avant. Quand je chante, j'ai l'impression de chanter comme JP, quoi. Je chante comme une merde. En fait, si, je peux me mettre à bien chanter. En fait, avec un autotune, tu peux tout faire. J'ai essayé, hein. Avec un autotune, tu reconnais même pas ma voix, en fait. Mais c'est abusé, en fait. Contrat volé. D'ailleurs, je m'occupe même pas des contrats. En même temps, j'ai pas envie de crever, hein, parce que la preuve, là, le contrat, il était volé. C'est-à-dire que il est tombé sur une grosse tête, à mon avis. Par contre, waouh! On est dans la seule ville au monde, là. À mon avis, je pense que ça doit se taper par là, à mon avis. Hein. Voilà, ça. Dans mes oreillettes, là, actuellement, ça parle de Soundtrap. Et je voulais m'intéresser quand même à ça. C'est quoi ça? Mais c'est incroyable, par contre, comme appli, hein. Je pourrais en faire un partenariat, je vous jure. C'est trop bien. Tu peux vraiment créer une musique. C'est un truc de fou. C'est. Je l'ai. Je l'ai, Soundtrap. Je suis en train de faire des prods un peu drill. C'est compliqué quand même, hein, de faire ça. Sur mes épaules, du rap, partez, du ça va. Tu sais, j'ai sauvé. Go, dis-moi. Les gens pour des cons. Son comportement 18h minuit, je suis demi. Ok, ils sont en train de se taper là-bas. La maison de mes shooters. Everyday, toi t'es pas là gros. Je sais pas, tu parles de quoi? Wesh la vitesse. Ouais, ça rigole pas hein, quand t'as le sprint illimité là avec les machins. Au garage accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, plus rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. En troisième, très peu d'acquis, t'es vers chez toi. T'es vers chez moi. Dans le 8e, mais 19h, quoi. J'ai mon bowling, je peux pas douter. Mon frère va pas douter. En 3 plateaux, souci, mais je
On peut entendre sauter mes lunes. Arrive là. Ah oui. Y a un mec en haut là. T'as vu, t'as vu? Les gens, ils ont des yeux, mais ça m'énerve. Bon, je suis sous un pont, le mec, il m'a. Il m'a vu. Calme-toi! J'ai même pas tiré, t'as vu ce qu'il fait? Arrête d'être excité comme ça, quoi. Moi, par contre, je suis obligé de build. Hein. Allez, viens. Moi, je l'ai même pas tué, quoi. Je suis deg. Mais c'est injouable. Il y a des zones où c'est injouable, en fait. Mais c'est lui qui va gagner, je sais pas pourquoi. Alors, tac tac tac, j'ai quoi comme défi à faire? Accomplir des quêtes quotidiennes, ouais, ça peut se faire. Des défis assez proches quand même, parce que logiquement, parcourir la distance en véhicule, ça peut se faire. Genre SK. L'avantage, c'est que là, accomplir les quêtes d'étape, ça commence à se rétrécir, ouais. Tu gagnes après des 20K. Ah ouais! Attends, gagner le jeu d'arcade. Ça, je peux le faire. Gagner des PV à la source chaude. Ça, j'ai jamais réussi. Parce que après faut atterrir là-bas, se faire mal et puis hop tu machines. Acheter un objet, hein, conquérir des ponts. Masser une arme, un objet ou une arme en glissant. Ça je peux le faire de fou ça. Je vais faire ça et puis là je gagne 30K quoi. Et là il me manque. Ah ouais d'accord ok donc ouais en fait je peux monter niveau 50 direct en fait. Du coup, là, je suis à quoi? Ok, j'ai une étoile. Ouh, bah tiens, allez hop. On prend les V-Bucks direct parce qu'on n'a pas le temps. J'ai acheté ça comme danse. Acheté ça, puis j'ai acheté ça. Comment on fait pour arrêter, putain? Bah, laisse tomber. En vrai, le skin, je sais pas comment vous le trouvez, mais il est stylé. Je sais pas ouais, comment vous le trouvez, mais en vrai, il est magnifique ce skin. Celui-là, je l'avais débloqué, je sais plus quand. Je l'ai débloqué. Saison 1, chapitre 4. Ouais, bon, là, récemment, en fait, la saison dernière. Je sais plus si je l'avais bien rushé. En vrai, je crois que, ouais, je l'avais bien rushé. Hein. Enfin, pas tant que ça. Mais en vrai, ce skin, il est stylé. Et en vrai, j'ai que des skins de passe de combat, en fait. Ah, j'ai quand même Dark Vador, en vrai. Ça, c'est incroyable, ça. Mais là, le prochain skin, par contre, ça, il est incroyable, lui. Hein. Regardez, je vais vous montrer, lui. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Hein. Et regardez, avec cette évolution-là. Oh là 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 là. Comment il pète sa mère. Il est incroyable, on est d'accord. Hein. Il est incroyable. Après, à ça, celui-là, il était déjà sorti, il me semble.
Ils l'ont foutu dans le pass. C'est vraiment des radins quand même. Et okay, celui-là, est-ce qu'il est cool? Alors, franchement, les skins de cette saison, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu la flemme. Hein. On va pas se mentir que c'est pas dingue. Hein? Trop simple. Ça, c'est les skins de la fin, ça? De ma gueule. Intérêt d'avoir des mises à jour, hein, je sais pas. Alors, à moins que les récompenses bonus. Waouh, cette évolution, elle est incroyable. Ce skin, par contre, je crois que l'évolution de ce skin va être incroyable. Ça, c'est les évolutions. Donc, des niveaux bonus. Donc, quand tu dépasses le niveau 100. Ah, si, je trouve stylé. Les évolutions sont stylées, par contre. En fait, je fais ça plein d'évolutions, en fait. J'aime bien. Waouh, j'aime bien. Est-ce que j'en ai avant des évolutions? Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Un peu. Là, ça fait un peu hacker, tu vois. Un peu vert et tout, comme ça. Ah, si, 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 j'aime bien. 25 étoiles, par contre. Ouah! Ah, ouais. Donc là, en gros, il faut 5 niveaux pour avoir une évolution. Quand tu arrives au niveau 130, je pense que. Enfin, 110, à peu près. Ça commence à être long. Hein. T'as intérêt d'avoir des nouvelles quêtes. Hein. Non, par contre, je trouve ça stylé. Ah, ouais. Comme ça, putain, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Hein. Bon, on n'en est pas là. Quoique, en 4 mois, il y a moyen. En un mois, j'ai réussi à aller du niveau 0 à 100, je sais plus combien, 149, je crois, j'étais niveau 149 la saison dernière, la dernière saison, je crois, du chapitre 3. Ouais, il me semble. Ouais. Et j'avais énormément. J'avais quand même bien avancé dans le niveau bonus. J'ai notamment eu cette évolution. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant. Quel de skin? Putain, je l'ai plus. C'était ça. C'était le chapitre 3, saison 3. Ah ouais, c'était cette saison-là où je l'ai rushé à la mort. Ouais, mais c'est pas ça, hein. Si. Si, c'est ça. Voilà, bon, je l'avais eu que en cette couleur. En évolution. Mais je crois que j'avais. Non. Lui, je l'avais aussi en évolution, mais. Lui aussi, non? Non, bah lui j'ai eu toutes les évolutions par contre. Mais putain, je sais plus quelle c'est. Je suis obligé de la retrouver, les amis. Lui, non. Et quand même. Dès je les évolutions par contre, je les. Ah voilà, c'est lui. Mais non! J'en ai un avec. Où je l'ai en putain, c'est lequel? Mais c'est lui. C'est pas possible. Je vois pas lequel c'est. C'est saison 3, chapitre 3, saison 3. C'est pas lui. Lui, non. Non. Ouais, j'avais elle aussi, ça je suis d'accord. En chrome, là. En fait, c'est la saison où il y avait les chromes et tout, là. Vous vous rappelez? Ah, c'est elle, je crois. Mais non, même pas. J'ai un skin, je vous assure, où je l'ai en bleu. Je l'ai même plus, les amis. Je l'ai plus. La vie de ma mère, j'avais une évolution. Je l'ai plus. Je me suis fait voler mon skin, j'ai eu quoi?
Peut-être que... Non? Ah, ça, c'est stylé, ça, par contre. Là, dans ma tête, sans toi, je suis pas là, là. Non, non, non. Bah, je sais plus, mais je l'ai plus. Donc c'est bizarre ça par contre. Hein. Mais ouais, j'avais une évolution, mais en bleu, en fait, comme ça. C'était bleu transparent un peu. Ils étaient magnifiques. J'ai déjà des évolutions de ce skin. Wesh, par contre. Ouais, ça, c'est les évolutions, ça. Ça va claquer sa mère. Putain, avec ça dans le dos. On va aller sur. Non, j'ai envie de passer niveau 50, 51. Je peux pas. Après, je voulais aller sur du Forza, là. Un petit peu. Faire un peu de drift et peut-être une course. On va trouver des quêtes qui peuvent faire monter. Je crois que c'est là. Gagner un jeu d'arcade, ça peut se faire, ça. Regarde, non, sur ce show, tac, tac, tac. Acheter des objets. C'est celle-là. Attraper des ramasser un objet ou une arme en glissant. Ça, franchement, ça, je pense que ça va se faire. Du coup, là, je vais gagner 12K plus, vu que là, je vais avoir 20, 30K. Donc, je vais passer bien au-dessus des niveaux 50, 51. Je suis plein d'XP surchargé. Du coup, il faut que je fasse mes défis. Là, si je fais pas de défis, mes niveaux, j'ai gagné 5000 XP par partie. En XP surchargé, je faisais 300 000. Voilà. Donc, comment vous dire que je pense que. Prochainement, il y aura la cam. Je vais essayer de mettre une cam. J'ai jamais testé la cam en live. Ça va se faire, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Ça va se faire largement. Mais pareil, ça prend du temps. Mais oui, en tout cas, il y aura une cam. Ça, c'est pas un souci. Et là, on va faire des lives bien. Avec la cam. J'aime bien le néon dans le dos, là. En plus, il y a des reflets et tout avec le RTX et tout. Quand même beau le jeu, je sais pas ce que ça donne sur Xbox One, sur la One, je parle. Il doit être moins beau quand même, puisque là je peux plus savoir, je l'ai plus. Enfin, si je l'ai, mais je l'ai pas utilisé. Moi, on doit avoir du changement quand même. Déjà, on va remercier le chauffeur du bus, ça doit faire partie, je pense, de quelques trucs. Ne m'en veux pas. Vous savez quoi? On va spawn à un endroit paumé. Loin de tous, comme ça on aura le temps de faire nos défis. Pas que je mette par défaut pour remercier le chauffeur du bus la touche je saute en fait. Je sais pas si je peux faire les deux parce qu'avant je sais que quand je sautais ça le mettait directement. Sauf que là je mets flèche du bas en fait. Faut que je change ça. Pour le confort de jeu. Wesh. Voilà, je suis sûr qu'il y a personne, non. S'il y a des gens, nique sa mère. Là, je comprends plus rien. Wesh, il y a des gens là. Ça, c'est du foutage de gueule, ça par contre. Tu vois? Ça, par contre, ça, c'est limite quand même. Un mec qui spawn pile là, le bus, il est là, tu sais.
Toujours plus, toi. Oh, mon gars, si t'es pas mort en 2-2, toi. Ah, ça doit être un bot parce que vu le temps qu'il met. C'est fait? Yes, c'est fait! Allez hop, c'est bon, un défi de fait. Wide. Allez hop, niveau 51. Franchement, c'est tout con en fait. Vraiment, il y a des défis. Tu passes à côté des défis, de défis incroyables. Là, son toxique. Au milieu de toujours une. On va voir un peu les défis qu'on a, les quêtes. Alors, on a. Je dois parcourir, je crois, une distance avec un véhicule, c'est ça. Parcourir la distance avec un véhicule pour gagner 6K. Tu parles. Là, ça c'est intéressant, ça. Ouais, j'ai la zone, quoi. Regagner des PV à la source chaude. Inflige des dégâts d'adversaire plusieurs fois d'affilée avec un lance. Ouais, 24K. C'est pas mal. Je l'ai en plus. Inflige des dégâts avec un différent type de fusée à pompe. Parcourir la distance avec la lame cinétique. Atterrir sur un rail glissé après avoir sauté du bus. Ouais. Ouais, toujours pire en fait les défis de la vraie merde quoi. Ouais, donc là on a des. Là on a des défis impossibles hein, dans cette partie. Hein. Ça peut. Des défis qui ne peuvent pas se faire. C'est lui qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, tu vois, putain, le bâtard, quoi. Tu vois, ça m'énerve, ça. Yes! Allez. C'est bon. Merci pour le défi. Merci pour le défi. Ah bah voilà. Je voulais le faire le défi, bah je l'ai fait. En vrai par contre c'est cheaté. Faut tenir du bouclier. Ça arrive là par contre. Ça, par contre, ça je peux l'avoir comme ça. Ça, c'est un bot. Ça.
quoi. C'est peut-être pas un bot. Ouais, construction vite fait, hein. Surveille en haut quand même, hein. Bon, on va où maintenant? Putain. Les défis, casse les couilles. On va essayer de tuer le gars. Il est en haut, là, on le voit, regardez. Il est en haut. Je crois que c'est lui. À mon avis, je pense qu'il va se faire tuer. Ouais, frère, les bugs par contre là. Ouais, je sais quoi, ça, c'est des bugs. Des chutes d'FPS de. C'est même pas des chutes d'FPS, c'est des bugs quoi. Ouh, il est pas loin là. Et non. Ah là. Comme ça. Puis là on est bien. Ok, bah ça a carrément jarté mon machin. Bon, on prend des dégâts là, c'est pas bon. Yo le gamo. Allez hop, 52. On monte. J'ai pas fou, j'ai vu un mec quand même. Regarde comment ça va me prendre en traite. Traversé, hein. Mais persuadé d'avoir vu un mec. Hein. Ouais, c'est peut-être barré, il a eu peur, mais vraiment pour avoir peur, le mec il s'est volatilisé quoi. Je l'ai bien vu traverser comme ça. Je vais peut-être passer par là. Là, vous pouvez m'appeler de la pharmacie, là. Avec tout ce que j'ai. Hein. Il est là, le gars. Bon, les deux. Temps de me soigner. Ah!
Ah putain! Ah le fils de pute quoi! Le mec, je comprends pas quoi. Il me tue et il réussit à soigner en une milliseconde après. Il passe du de l'arme au kit de soins quoi. Là par contre, le mec, j'aurais pu le tuer. Hein. Ça, c'est des mouvements de bot. T'as vu les mouvements de bot qu'il a? Il joue avec des flèches. Il joue avec les flèches du clavier. Il joue même pas avec la souris, il joue qu'avec les flèches du clavier. T'as vu, regarde. Ça, c'est un joueur souris, ça. Clavier souris ou je sais pas quoi. Regarde, t'as vu le mouvement? Ça, c'est la flèche du bas et la flèche du haut, gauche-droite. C'est que ça, les mouvements. C'est pas des mouvements de souris, des mou... Ça, c'est que du mouvement de clavier, ça. Regarde, t'as vu? Regarde. Ça, c'est des mouvements de bot, ça. Putain, j'avais plus de vie, quoi. Tu sais que là, j'aurais pu le tuer. Hein. Une balle, le mec est mort. Hein. Je suis trop deg. Là, j'aurais fait un truc parfait, là. Pas grave, on a quand même bien monté de niveau, là. Cette partie-là. Ouais, en vrai, en faisant un défi, carré. Par contre, lui, je l'ai possédé. Ah, je suis deg. Je vais pas pouvoir l'acheter, lui. Par contre, on va faire ça, on n'a pas le choix. Hein. Et là, après, je vais pouvoir faire ça. Acheter ça. Et ça va être carré, ça peut... Du coup, hein. Je suis pas à 3 étoiles près. Hein. Après, on a 200 V-Bucks dans la page là. Là, 300, 400, 500, 600. Donc 300, 600 plus 400, vous faites le calcul, je peux acheter le pack. Hein. Ça me fait 1000. Hein. Donc, ouais. On est dans le time. On est parfait dans le truc. Et j'ai réussi à m'acheter deux danses. En plus, c'est cher, c'est des danses à 500 V-Bucks quand même. Hein. Les danses. Putain, par contre, ouah, le calendrier, quoi, le machin, il est énorme. C'est des danses comme ça, là. Donc, avec ce style-là, ça, c'est des danses avec des vraies musiques. Tu vois? Des vraies musiques. Et ça coûte cher. C'est pas donné. Mais par contre, quand tu les as toutes, c'est incroyable. Putain. Ah, j'ai des nouvelles quêtes encore. Oh, c'est quoi ça? Fouiller des coffres. Ah ouais, mais d'accord, ok, c'est des quêtes quotidiennes. Fouiller des coffres et des boîtes d'animation et des lingots. Ok, bah ça peut se faire ça. Inflige des dégâts à l'adversaire en le percutant avec un véhicule, ça je sais très bien le faire ça. Éliminer un adversaire, ok, c'est quoi, c'est où Brutal Bastion? Ok, d'accord, c'est une ville très chiante, hein, Brutal Bastion. Brutal quoi? Brutal Baston. Brutal Bastion, oui, c'est ça. C'est une ville chiante parce que tu penses qu'il y a personne, mais t'en sors jamais quoi. ok, ça va se faire ce soir, ça, hors cam. On va aller sur du Forza. On va s'amuser un peu sur du Forza et puis... Vu que j'ai pas de modo, on va changer. Bon, alors tac tac tac, ça c'est bon. On a mis un ouais, j'ai cru que j'avais une mise à jour. J'ai fait oh non, putain, pas en live, pas la mise en live quoi. J'aurais pu, j'aurais pas mis longtemps, ça aurait mis peut-être 2 minutes. Sachant que là, je suis en mode FPS. Je suis même pas en mode qualité et le jeu est magnifique. Là, par contre, j'ai une Ravi de voiture, mais les revoir, gars, Joanne. c'est une pépite.
Mais ça pixelise, hein. Vraiment, c'est de la vraie daube. Hein. Là, je suis en qualité maximum, c'est pas ce qui se fait. Oh là là, avec l'anti-lag là. Oh là là. Ah, ça pète sa mère. Regardez ça. T'as abusé, hein. Si tu veux une conduite détente, c'est pas ça, hein. Ça pète tous les deux secondes, toutes les secondes même, regardez. C'est affreux, c'est affreux. Aberrant. Accélérer. C'est une voiture qui doit faire pas loin de 2000 chevaux. C'est aberrant. En fait, faut démarrer en quatrième, quoi. Si tu veux pas que ça glisse, quoi. Allez, putain, je suis à fond. Non, je rigole, je suis pas du tout à fond. Hein. C'est. Vous voulez vraiment que je me foute à fond? Ok, je me mets à fond. Et là, on peut causer. C'est ma voiture la plus rapide, hein, je vais pas vous mentir. Je sais qu'il y a des bagnoles qui vont à 600 km/h, mais ça, c'est de la vraie merde. Enfin, je veux dire, c'est. Des voitures. Je sais pas, mais. Elle va plus vite que ma Bugatti, je comprends même pas. Ça a rien à voir. Ce jeu. Mon Range Rover, je vais pouvoir en faire une. Je vais pouvoir. Mon Range Rover, je peux. Ça se trouve que je peux le monter à 500 km/h. Alors que ma Bugatti, je peux à peine la monter à 500. Enfin, je peux la monter à 420. Quoi. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Et c'est la plus rapide. Là, j'ai plus de vitesse, hein. Je suis en sixième. J'aime pas le ciel comme ça. Horizon Arcade va bientôt commencer. Pourquoi ne pas saluer les autres pilotes en attendant? En vrai, je pense qu'il y a moyen que je dépasse mon objectif, tu vois, mais. Arriver à je sais pas combien de vitesse. Ouah, puis je réussis à drifter. En plus, c'est plus facile à drifter quand quand tu vas vite que quand tu vas doucement, quoi. Rien à voir. Ah, il n'y aurait pas eu ce véhicule, j'aurais pas flop. C'est abusé. Ça a plus rien à voir cette voiture, ça a plus aucun sens. Ça a plus rien à voir. Je jure, tu peux vraiment faire des trucs de fou avec cette bagnole. C'est pas facile de drift, hein. Même en manette, croyez pas, mais.
Stylé. Stylé. Alors attendez, qu'est-ce que je peux jouer? Non. J'ai tout un narratif. Tac tac tac, alors j'ai pas ça non plus, quoi. J'ai pas que ça, tu te fous de ma gueule. J'ai que ça, mais non. Ah oui, voilà, je préfère. Même plus ce que j'ai comme jeu. Et je vais regarder, mais on va peut-être changer de jeu. Alors, on va aller sur du Minecraft. Tac tac tac. Pourquoi ça veut pas redémarrer? J'ai pas le son de. J'ai pas l'image. Je refresh. Ah oui, c'est bon. Ok, alors, ce que je dois vous montrer un petit truc, c'est magnifique. Le jeu est devenu magnifique. Enfin, Minecraft. Pour un mettant que quand t'es tout seul, quoi, t'as plus aucun sens de jouer à ce jeu. C'est de la vraie daube. non, par contre, on va enlever la 1, d'accord, s'il te plaît. On va mettre la commande plus rapide. On va mettre un peu de ciel dégagé quand même. Fasse un minimum beau. Vous allez voir probablement quelque chose de magnifique. Les montagnes qui sont très grandes, eh ben vous allez être choqués. Il est, hein. Je vais pas vous montrer tout, hein. Enfin, je vous ai pas tout montré. Mais il y a un truc intéressant à faire, hein. Je peux vous mentir. Hein. Sur ces montagnes. Hein. Sont énormes. Hein. Et ça, c'est dû, je crois, c'est dû aux petites nouveautés de Minecraft qu'il y a eu. Un petit moment quand même, mais pas mal. Hein. Les montagnes énormes comme ça, là. Oh. Vous vous mettez en bas, le monde est petit, hein. Ça fait vraiment un effet bizarre en fait. T'as l'impression que c'est interminable, quoi. Je pense qu'à monter, c'est aussi interminable, hein. On va pas se mentir que. En créatif, ça doit être très long et très chiant. Mais bon, après, plus tu montes, plus c'est magnifique, quoi. Et je trouve ça que c'est vraiment réaliste. Le problème de Minecraft, c'est que tu tournes vite autour du pot, en fait. J'ai vraiment pris le pic le plus haut, là. Vraiment au pic le plus haut. Mais non, j'étais pas au pic le plus haut. Ouais, non. Vraiment pas le plus haut.
Ouais, non, pas tout à fait. Je crois que c'est là-bas le pic le plus haut. Ouais. Et quand même, ils ont quand même laissé la limite, hein. Ça dépasse pas là. Hein. Mais ouais, en tout cas, ça fait des belles archipels de. Ça fait des archipels. Ça fait des belles montagnes quand même. Hein. Et je trouve ça stylé. Hein. Vraiment faire des survies comme à l'époque, là, ça devait être incroyable avant. Regardez-moi, c'était grotte et tout. Faire de la survie dans les montagnes, là. C'est incroyable. Regardez. Là, vous pouvez, à la place de la forêt, là, vous mettez un village, vous construisez un village. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de magnifique. Hein. Je pense que là, je peux vraiment faire des trucs beaux. Hein. Faire des tunnels. Enfin, vraiment, je pense que c'est une imagination de fête. Mais le problème de Minecraft, c'est que c'est bien. Ouais. Mais une fois que t'as fait ça, en fait, une fois que t'as construit ton village, après tout, qui c'est qui va le voir, quoi? Tu sais, c'est ça le problème de Minecraft, c'est que tu construis, mais c'est pour ta gueule, quoi. Enfin, moi, j'aime bien avoir quelque chose pour que les autres le voient, tu vois. Pas que je fasse ça pour rien, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de Fortnite, vous allez vous dire, ouais, Fortnite, c'est la même chose, ton niveau. Enfin, voilà. Mais si. Le niveau, les gens le voient, le niveau. Les gens voient ton niveau. Voient ton niveau Fortnite, voient ton expérience, voient ton pass de combat, ton niveau de compte. Les gens voient ça. T'as des parties compétitives, t'as. Minecraft, t'as rien. Tu construis une maison, les gens, ils en ont rien à foutre, quoi. Tant que t'ouvres pas un serveur, d'ailleurs, c'est compliqué d'en ouvrir un. Enfin, il n'y a plus aucun sens en fait. Ce jeu il a perdu son sens. Avant, les gens ils étaient en mode incroyable parce qu'ils postaient tous leurs petits trucs, tu vois. Mais maintenant, les gens ils en ont plus rien à foutre quoi. C'est dommage, ça a perdu sa valeur ce jeu. Mais voilà, c'est pour ça que je joue plus à ce jeu. C'est dommage hein. Parce que là en plus, c'est des mises à jour de fou. Alors, il y a moyen, par contre, que on revienne d'ici 8 jours. Pourquoi? Parce que il y a Minecraft Légende qui va sortir, les amis. Si vous savez pas, c'est le nouveau Minecraft. Je pense que là, ouais, ça vous choque peut-être, mais on a un nouveau Minecraft qui va sortir. C'est pas, ça va pas ressembler un peu à la, Ça va pas ressembler à Minecraft Dungeon, mais c'est vraiment un jeu à part entière, il me semble. Et là, ça va être quelque chose, je crois, les amis. La bande-annonce est juste magnifique. Je peux pas vous la montrer, je vous invite à regarder. Vous tapez Minecraft Légende. Il sort dans 10 jours sur le Game Pass, donc sur console. Enfin, dans 8 jours, du coup. Là, je l'ai pré-téléchargé en avant-première. Et wow. Ça a l'air vraiment dingue, j'ai hâte. Le jeu a l'air vraiment cool. Je vous jure, le jeu, il a l'air. Ça a l'air d'être une dinguerie. Graphiquement, parce que voilà, là, je pense que graphiquement, c'est incroyable. Graphiquement, c'est plus du tout. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ça. En fait, tu as l'impression vraiment d'avoir un pack de textures. Directement mis dessus, mais c'est vraiment un pack de textures avec des détails mais de fou, genre un peu à la Fortnite, tu vois, avec les herbes et tout maintenant qui volent, la neige et tout, qui a de la physique et tout. Alors j'espère que ça va être un peu comme à la Minecraft, mais ça a l'air plus, la technique de jeu a l'air différente. Déjà t'es beaucoup plus, je crois que ouais, je sais pas. Le Gugus Minecraft est beaucoup plus réaliste, tu vois. Quand tu avances comme ça, en fait, ta vue troisième personne est beaucoup plus éloignée un peu. Enfin, ça fait vraiment. Tu peux te balader sur
un cheval et enfin ça fait vraiment, ça fait vraiment, c'est un autre jeu en fait. Là, ça a plus rien à voir quoi, tu vois, tu casses des trucs, t'en as plus rien à foutre quoi, tu vois. C'est sauf que là c'est différent, je trouve qu'il est plus adapté à la troisième personne et ouais, c'est une dinguerie. Donc j'ai de la lave et ouais, donc ça a l'air vraiment cool. Par contre, les grottes de fou là, oui, j'ai fait le tour de France. De partout, c'est la même. Des darons qui pleurent, des fours et des gros problèmes. Du printemps sorti, Concacaf, dans de l'Est. Dans le quartier nord, il y a moins de misère au soleil. Mais ouais, ça a l'air dingue. Moi, je dis ça a l'air dingue. Oh, c'est buggé. À mon avis, en creusant la montagne, on n'est pas sorti. N'est même pas à la surface. On voit les mines à travers. Ah, on arrive à la sortie, je crois. Dégueu, ouais, putain. Oh, le trou de. Par contre, là, tu tombes dedans, les amis. Ouais, c'est même buggé. Mais ouais, vraiment hâte du prochain jeu. Ouais, c'était une grotte, ok. Mais ouais. Bon, bah les amis, je pense qu'on va quitter ce live. Après 1h20, c'est pas énorme, c'est vrai, mais ça aurait pu être plus, mais je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a personne aujourd'hui avec qui on peut rire. La semaine prochaine, ça va être mieux. Si je relive pas cette semaine, bah, je relive forcément la semaine prochaine. Puis bon, peut-être que je vais peut-être relive quand même cette semaine. Peut-être, probablement même. Puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce live vous aura plu. Bon après-midi. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ont cours, bah, bonne semaine. Hein. Ciao. Non, je rigole. Mais bref, passez un bon moment, passez une bonne journée pour ceux qui sont en vacances, même à tout le monde. Mais pour ceux qui sont en vacances, profitez bien et puis à très bientôt, hein, peut-être demain, peut-être après-demain, et puis voilà. Bon allez, bonne journée, bonne soirée et bonne semaine à tous, les amis. Allez, à plus.